ici et maintenant, se poser. Ici et maintenant, ralentir sa course folle vers demain, après-demain, vers le futur. Freiner la cadence infernale. Freiner sa vie trépidante vers maintenant, ici maintenant. Freiner, ralentir pour se poser. Se poser. Se poser. Ici maintenant. Ne pas chercher à ne pas penser. Plus nous cherchons à ne pas penser, plus nous pensons, plus nous réfléchissons. Pour les Tibétains, les pensées, ce sont comme dans le ciel les nuages. Personne ne peut arrêter les nuages, monter sur une échelle et les stopper ou les enlever. Ils partent d'eux-mêmes. Ne pas s'attarder sur les nuages, contempler le ciel nuageux dans son ensemble, autant que le ciel bleu. Se poser, tourner le regard vers l'intérieur et vers le bas. Le bas, c'est écouter, ressentir le corps dans son ensemble. Fermer les yeux pour ne plus alimenter par le visuel le mental. Sans pour autant, encore une fois, chercher à ne plus penser. Ne pas lutter contre le mental. Lui offrir notre présence passive pour ne plus l'alimenter. Se poser, poser cette intention de déposer. Déposer ce trop-plein. Ce trop-plein de tension, de fatigue, avec soi-même, dans sa vie, dans son corps. Poser l'intention, la conviction, la détermination, la résolution que nous pouvons nous autoriser de nous alléger et d'apprendre à voyager plus léger maintenant dans notre vie. Déposer tout ce fardeau de trop de pensées, de trop de croyances limitantes, de trop de préjugés, de trop d'idées arrêtées sur préjugés, injonctions, dictates intérieurs. Inviter le corps en se posant à relâcher toute tension, crispation, raideur, lourdeur, et même douleur. Se poser en son intériorité, contacter le centre. Et s'ancrer dans son centre. Le centre peut être un centre cognitif, la tête peut être aussi un centre digestif, émotionnel, le ventre, et ça peut être un centre affectif, le cœur. Spontanément, se poser en son centre, connecté au cœur, connecté au corps, au cœur de toutes nos cellules, dans leur ensemble, au cœur du corps, ici, maintenant. Présent au corps, détaché, neutre, bienveillant. Équanimité. De se poser, de déposer est déjà très reposant. Inviter le bien-être, le relâchement, la détente, l'insouciance,
à prendre place, à se manifester, à se déployer, se développer dans notre paysage intérieur, dans notre univers, dans notre corps et dans notre vie. Évitez de chercher, évitez d'attendre, évitez d'analyser, évitez de forcer, évitez d'éviter, évitez de retenir. Simple présence dans le lâcher prise, dans le laisser faire. Contactez la conscience corporelle, contactez la conscience de la respiration, se laisser bercer, se laisser aller d'un pôle à l'autre de la respiration. Se laisser veut bien dire ne pas faire volontairement, se laisser faire, se laisser aller, se laisser inspirer, se laisser expirer. Invitez les mâchoires inférieures à se relâcher. S'il y a besoin, vous pouvez masser les muscles masticateurs aux angles des mâchoires. Vous pouvez masser pour demander aux mâchoires, à la mâchoire de se détendre, à la bouche de s'entrouvrir naturellement. Et nous pouvons, pour favoriser cette pause, cette dépose et ce repose reposant, de relaxer le visage, très souvent crispé, froncé, concentré, avec ce trop, cette hypertrophie du mental. Partir du centre du front, aller sur le côté, petit automassage spontané. La toilette du chat, centre, côté, milieu, côté. Petite pression du bout des doigts à plat, première, deuxième, deux dernières phalanges des doigts, plutôt que le bout des doigts qui est plutôt agressif. Autopression spontanée, non calculée, non ciblée, non stratégique, non technique, comme ça, spontanément. Pression du cuir chevelu, ça fait du bien tout de suite. Massez gentiment, sans appuyer, les tempes. Passez le long du pli interne, de l'angle interne de l'œil, pour masser le canal lacrymal, là où s'écoulent, par où s'écoulent les larmes. Passez sur le bord inférieur des yeux. C'est très agréable, c'est très reposant, relaxant. Sur le bord supérieur et interne des globes oculaires, des yeux, dans l'orbite interne, passez le pouce comme ça, du milieu, toujours du milieu, vers l'extérieur. Bien évidemment, faites attention si vous avez des lentilles. Enlevez les lunettes. Et vous allez pression, vous allez presser sur les sourcils, pression des sourcils, pression des sourcils, ça fait du bien. Passez le long des deux bords extérieurs du nez, automassez avec par exemple les index le point méridien gros intestin, le 20 gros intestin à l'angle, précisément à l'angle de chaque nez, de chaque narine, le 20 gros intestin, petit mouvement circulaire pour stimuler une sécrétion spontanée des sinus du nez qui va libérer, désencombrer, contribuer déjà un petit peu, beaucoup à désencombrer les sinus, favoriser une rhinorrhée, c'est-à-dire un écoulement du nez. Désencombrer le nez. Et puis en même temps, le 20 gros intestin va stimuler, si vous le faites tous les jours, un meilleur fonctionnement des intestins, du gros intestin. Ce qui est important pour favoriser les fameux 85% de sérotonine, hormone de la sérénité,
sécrétée par les intestins. Tout ne se vit pas à partir de la pinéale. La pinéale, confondue avec le troisième œil, c'est 15% de sérotonine la journée et puis la mélatonine la nuit. Voilà. Passer au-dessus et en dessous de chaque lèvre, avec tranchant des pouces et index. Alterner, simultaner. Frotter vigoureusement les mâchoires. Et se poser. Écoutez l'inspire spontanément. Écoutez l'inspire se faire, se vivre. Écoutez l'expire se laisser inspirer, se laisser expirer. Vous pouvez écarter grand ouvert la bouche si vous ressentez le besoin de libérer quelques tensions encore retenues au niveau du visage, du crâne. Bien sûr, nous pouvons toujours masser, massouiller l'arrière du cou. Bien sûr, quelques mouvements des épaules, automasser les trapèzes. Se laisser inspirer. Contacter cette conscience corporelle à cet étage du tronc. Thorax en haut, ventre en bas. Diaphragme qui fait le lien au milieu. Se laisser inspirer. Inviter les épaules à se soulever, à pousser vers le haut, se redresser. Ne rien faire volontairement avec le mental, la volonté. Se laisser inspirer, se laisser expanser, se laisser vivre dans cette respiration spontanée. Se laisser expirer. Expirer veut dire relâcher, relâcher, lâcher prise. Autrement dit, s'offrir cet instant privilégié de rencontre avec soi-même, de détente, et s'abandonner à l'ici maintenant, en référence à cette présence, conscience corporelle. Il n'y a pas de conscience tout court s'il n'y a pas de conscience corporelle. Se laisser inspirer, les épaules poussent vers le haut. Se laisser expirer. L'espace cœur poumon thorax s'agrandit, s'étire. Se laisser inspirer. Le diaphragme pousse vers le bas. Se laisser expirer, inviter à chaque expire le corps à relâcher, détendre, tout en maintenant un tonus musculaire pour garder la position assise. Que vous soyez sur un zafou comme moi, que vous soyez sur une chaise, un fauteuil, et même que vous soyez allongé dans votre lit, sur votre canapé. Tout va bien. Ce n'était qu'un brochet, une carpe que vous avez entendu. Se laisser inspirer. Le sternum pousse vers devant. Et cet espace cœur, poumon, thorax s'ouvre, se grandit, s'étire de plus en plus. Au cœur de cet espace, cœur, poumon, thorax. Est-ce que vous sentez progressivement cette descente
Où cette montée peut-être? Belle, silencieuse et muette. À la fois silencieuse et muette. À la fois nous connecter vers plus de profondeur, plus d'intériorité. À la rencontre de soi. Peut-être à la rencontre du soi. Se laisser inspirer. Le sternum pousse vers devant. Relâcher, se laisser expirer. Relâcher les épaules. N'hésitez pas à faire du bruit dans l'expire, sans que ce soit pour autant exagéré. C'est beaucoup de trop. Relâcher. Se laisser inspirer les vertèbres dorsales, lombaires, des vertèbres dans leur ensemble, poussent vers derrière. Et cet espace, sternum-vertèbre, s'agrandit, s'étire, est de plus en plus vaste, de plus en plus vaste. Bien sûr, où que vous soyez pour cette pratique, que vous soyez dedans, dehors, en ville, à la campagne, seul ou accompagné, tous les bruits extérieurs ne dérangent plus et font partie du paysage intérieur. C'est comme les nuages, ne pas chercher à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit quand on veut se connecter avec soi-même, en soi, au travers de soi, ou simplement méditer, se poser, se reposer, se relaxer. Nous devons être capables, à terme, d'envisager la connexion en toutes circonstances, la connexion au langage intérieur, à la petite voix, à la sagesse immuable, immanente. Que nous incarnons tous. Se laisser inspirer, les côtes poussent vers les côtés. Espace de plus en plus grand, de plus en plus vaste et de plus en plus spacieux. Au cœur de cet espace, au cœur du cœur, le cœur. Entre sacrum, coronal, entre pied, tête, entre terre, ciel, entre passé, futur, entre yin et yang, ici maintenant, au cœur du cœur, au cœur de toutes les cellules, au cœur de notre organisme, au cœur de notre être, le cœur. Le cœur qui s'ouvre. Le cœur qui s'ouvre. Le cœur qui s'ouvre. Au cœur du cœur. Se laisser être. Présent ici maintenant au cœur du cœur. Espace dégagé, désencombré, ouvert, invitant le cœur à s'ouvrir, à respirer à son tour. Écoutez le langage du cœur. Restez neutre, je vous rappelle, neutre, présent, détaché, bienveillant. Évitez d'intervenir, de contrôler, de freiner, de résister, de retenir, d'analyser, simple présence. Juste écouter, ressentir, être là. Qu'est-ce qu'exprime ici maintenant le cœur? Permettre au cœur de s'exprimer. Évitez le clivage, évitez la sélection, évitez le tri. Évitez ce qui nous arrange, ce qui nous convient, ce qui nous est uniquement agréable.
Restez simplement présent, neutre, et grand ouvert, écoutez, ressentir, accueillir avec le cœur, au cœur du cœur, le langage du cœur. Ressentir et ne faire plus qu'un avec ce qui se présente, peut-être. Que ce soit une sensation, cœur léger, cœur lourd, cœur fermé, cœur ouvert, cœur serré, cœur aéré. Que ce soit une émotion, enthousiasme, joie, amour, gratitude, peine, tristesse. Regret, ressentiment, nostalgie, colère, peur, rester neutre, accueillir, ressentir, permet tout simplement d'intégrer. Ça veut dire que nous nous mettons à jour avec nous-mêmes, nous arrêtons de retenir, de contrôler, de compenser la malbouffe, trop d'alcool, trop de cigarettes, trop de miam miam, trop de télévision, trop de jeux Game Boy, trop d'internet, trop de workaholism, dépendance au travail, trop de sexe, trop d'achats compulsifs. Trop de ou pas assez de procrastiner, remettre au lendemain, s'interdire, se limiter, se saboter, vont dans le registre du pas assez de. Neutre, détaché, présent, bienveillant au cœur. Que ce soit une sensation, une émotion, une impression, que ce soit une image, un souvenir, restez connecté au cœur du cœur. Restez connecté au cœur du cœur. Et puis, qu'est-ce que le cœur peut être, non pas le mental, mais qu'est-ce que le cœur peut-être aurait besoin dans sa vie de cœur pour pleinement vivre sa vie de cœur, pour être pleinement déployé, épanoui en tant que cœur, au cœur du cœur, au cœur de toutes nos cellules, au cœur de tout notre corps. Qu'est-ce que le cœur peut-être demanderait, aurait besoin ? Comme qualité, comme ressource, pour se sentir bien. Spontanément, simplement écouter, ce n'est pas notre tête, nous-mêmes qui décidons à sa place, c'est le cœur qui nous indique, par un mot, par une couleur, par une sensation, par une émotion, par un objet, par un symbole, ce dont il pourrait avoir besoin. Je n'ai pas dit envie, j'ai dit besoin. Pour maintenir, retrouver, renforcer son équilibre, son bien-être, tout simplement. Maintenir l'ouverture au cœur du cœur. Peut-être pour nous aider, par son intermédiaire, à nous mettre à jour avec les vieux dossiers, les petits et les grands deuils, non digérés, non bouclés, dans notre histoire de vie.
personnelle, familiale, professionnelle, amoureuse, sportive, ce que vous voulez. Ce qui se présente en tout cas ici et maintenant. Voilà, je ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas à analyser. Spontanément, apparaît, me concernant, une fête foraine, une barbe à papa. J'ai moins de 10 ans. Le cœur me réclame cet affectif par le biais symbolisé de cette barbe à papa. Je me vois, j'ai 8-9 ans, j'ai la baguette, la grande baguette verticale, je suis avec la main droite, j'ai cette barbe à papa couleur rosée. Je me laisse respirer au cœur de ce cœur, de cette image que j'offre au cœur, je lui apporte, et que le cœur lui-même, à son niveau, maintenant à son tour, s'en nourrisse. Je vois le petit garçon sourire, tranquille, serein. Paisible, complètement aligné sur le ici maintenant. Tout va bien. Je vous invite à faire de même, à vous laisser guider par le langage corporel, le langage et les éventuels messages du cœur. Le cœur est maintenant tranquille, en paix, ici maintenant présent avec soi-même, au cœur du cœur, au cœur de cet espace infiniment grand maintenant, infiniment grand. Au cœur de son cœur, de ses cellules, de son corps, de tout son être et de toute sa vie, au cœur même de la vie, en notre être. L'infiniment petit contient l'infiniment grand. Écouter, ressentir, accueillir cette qualité de présence avec soi au travers du silence. Le silence n'est pas l'absence de bruit, n'est pas le rien, le vide, le néant. Même avec le vent, les oiseaux, les cyclistes, les marcheurs, l'ambulance, à l'instant, il y a toujours le silence. Le silence, c'est la présence en conscience, corps, cœur. Qui nous relie à nous, qui nous relie au tout. Dans l'absence du vouloir faire, du vouloir devenir, car tout est déjà là. Écouter le silence, s'immerger au cœur du silence, s'abandonner au cœur du silence. Pour finalement devenir le silence.
c'est incarner pleinement la présence au-delà, au travers du ici maintenant, présent ici maintenant. C'est se laisser investir, inonder par la présence. Joyeuse retrouvaille avec vous-même.